Bonjour à tous. Bienvenue dans le troisième épisode de 2 minutes pour une plante. Après avoir parlé de la mélite, une plante assez commune, je vais vous présenter une orchidée très rare. Souvent, quand on entend le mot orchidée, on pense aux orchidées tropicales. Pourtant, en France, on peut aussi trouver plus de 160 magnifiques espèces d'orchidées. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la Cypripedium calceolus, plus connue sous le nom de sabot de Vénus. C'est une herbe assez vivace que l'on peut trouver dans les Vosges, les Alpes, le Jura, le Massif central ou encore les Pyrénées. En France, il est protégé. Le sabot de Vénus a une espérance de vie de plus de 30 ans, mais ne fleurit qu'après quelques années. Il fleurit entre mai et juillet. Sa fleur, mesurant entre 2 et 5 cm, est jaune pâle, tandis que sa feuille est verte et striée. Son nom vient d'une légende mythologique grecque. Elle raconte l'histoire de Vénus. Découverte par un berger dans un pré, elle s'enfuit en abandonnant un sabot d'or. Le berger voulut ramasser le sabot, mais il disparut aussitôt. À sa place, poussa une orchidée, le sabot de Vénus. N'hésitez pas à laisser vos idées de plantes pour de prochains épisodes en commentaire. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez l'aimer et vous abonner. Au revoir!